Salut tout le monde, c'est Cap America et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas sur Minecraft, mais plutôt sur comment expliquer, sur la map Harry Potter que je souhaitais présenter. Donc le prochaine vidéo des temps, j'ai trouvé, je vais faire une présentation de ma Harry Potter qui dure environ 10 minutes. Et là, je vais consacrer 5 minutes aujourd'hui, enfin ce soir, avant de faire la vidéo sur la map Harry Potter. C'est pour dire que nous recherchons 2-3 personnes pour l'instant. Pour le début du temps de la série Harry Potter. Donc, si certains n'ont pas encore entendu dans mes vidéos, s'ils viennent de prendre cette vidéo-là en cours, eh bien, je tiens donc à dire que moi, j'ai un projet avec Calix, allez voir sa chaîne d'ailleurs, de faire une série Harry Potter. Alors, tout ça est parti très simplement, je vous explique brièvement, c'est que j'étais au magasin en vacances et on parlait. Et en fait, on a eu l'idée de faire, je sais plus pourquoi, là. Conversation à aborder au terrain de Quidditch et Minecraft. Alors du coup j'ai dit viens on fait un concours, enfin pas vite fait un concours mais savoir vite fait chacun fait un terrain de Quidditch, savoir qui faire le terrain de Quidditch le plus ressemblant. Et du coup ça nous est venu à l'idée, en même temps on s'est dit pourquoi pas faire vite fait un château, la cabane de Hagrid, la forêt interdite, le Hog, etc. Donc ça nous est venu à l'idée. Donc pendant mes 2 semaines de vacances, donc j'étais dans le sud à côté de Perpignan, donc j'ai travaillé dessus, je n'avais pas beaucoup la place, et donc j'ai fait le terrain Quidditch. Ça ressemble pas au terrain Quidditch, hein. Je veux dire, j'ai plutôt fait avec des couleurs vives, c'était plus un terrain Quidditch enfin, sympa, quoi. Donc voilà, donc Calix, lui, a fait un arrondi comme moi, mais lui, il n'a pas fait les grands gradins qui montent en espèce de tour, lui, il a fait des gradins comme un terrain de foot. Après, il me semble qu'il en est fait. Donc, ça nous est donc venu l'idée donc de faire le château. Et quand je suis revenu, ok, je traînais jusqu'à 23h le soir. Et donc, avec un pote, j'ai eu l'idée de faire la série, de lancer cette série. Pourquoi? Et bien parce qu'on parlait de ce que j'avais fait, que j'allais faire. Et lui, c'est pas un fan d'Harry Potter, mais il m'a dit, bah, si tu le fais, je vais t'aider. Je dis, ok. Donc, on est deux avec Calix, certainement trois. Il voulait bien. Je lui demande à quelqu'un d'autre, donc il n'a pas de chaîne YouTube ni l'autre, sauf que son pseudo c'est Yoda Kuna. L'autre c'est genre version craquée. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à faire le monde. Bien entendu, vu que nous allons tourner, le monde n'est pas fait pour. Je pense que si la série marche très bien, je mettrai la map à T-shirt. De toute façon, je pense que je la mettrai. Mais je sais que beaucoup, quand ils vont Poudlard, ils se diront c'est pas Poudlard. Mais je tiens surtout à préciser que la map est essentiellement faite dans le sens que c'est pour tourner, c'est pour faire des vidéos, c'est pas fait pour directement mettre la map à télécharger. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent on se ressemble pas à Poudlard, mais nous on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous, pour l'instant j'ai tout fait. Donc je vais vite fait vous lister tout ce que j'ai fait. Alors. Comme ça. Donc j'ai fait là. Bon, c'est pas très détaillé. Donc en fait j'ai tout fait pour que nous puissions tourner l'épisode tout le film numéro 1. Donc non, il manque plus que le chemin de traverse avec Gringotts. Mais je pense que ce soir je vais le faire vers. Donc là il est presque 22h. Vers 5h du mat où j'aurai fini. Au moins j'aurais fait déjà la demi-heure de Gringotts. Donc ensuite c'est fait. Donc cela j'ai dit, j'ai fait Privé Drive, j'ai fait Londres, ça ressemble pas non plus à Londres, mais comme je tiens à préciser aussi, c'est fait pour tourner. J'ai fait aussi Square Grimoire, donc j'ai fait numéro 12, 13 et 11. J'en ai fait 3. J'ai fait le terrain de sable où, dans le 5 où Harry Potter, après il se retrouve dans le tunnel, enfin j'explique mal, mais moi dans ma tête ça me paraît comme ça, où il se fait attaquer par les Détraqueurs. Ensuite, j'ai fait King Cross, j'ai fait le train. J'ai fait. Non, je n'ai pas fait. C'est. C'est Pré-Hollard. Non, c'est. Je sais plus comment on appelle ça, mince. Les villages qui se génèrent automatiquement, mince. Enfin bref, ça m'en viendra après. Et j'ai fait ça, enfin, j'en ai oublié. Mais en tout cas, on a tout. Ah oui, j'ai aussi fait les. Je vais appeler ça les épreuves pour pas être cruel à la fin. Donc c'est pas vraiment les épreuves, c'est plutôt la défense contre. La défense pour la pierre philosophale. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite. Donc tout ça dit, qu'est-ce que je veux dire aussi? Donc on recherche 2 à 3 personnes mais vraiment dignes de confiance et vraiment, c'est pas qu'on se méfiera mais on va poser pas mal de questions parce que si jamais les gens détruisent tout sur le serveur, franchement, je suis facilement à 4 journées en heure,
4-5 journées en heures de travail. Ok, ça se sent pas à Poudlard, mais quelques détails sont pas mal. Et il faut se dire que c'est du travail, je n'ai pas glandé pendant ce temps-là. Donc maintenant, eh bien, je vous dédie cela pour chercher 3-4 gens. Vous m'envoyez, je vous mettrai certainement mon Skype dans le lien de la vidéo. Si je ne le mets pas, abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. Et puis vous verrez sur Instagram, dans la prochaine vidéo, je mettrai mon Skype. Donc logiquement, c'est Cap America. Attaché, parce que sur YouTube, non, c'est attaché, mais c'est pas attaché, donc ce n'est pas grave. Et donc, ou alors, vous m'envoyez, je sais pas si on peut, sur Gmail, un truc comme ça, enfin, je sais pas, je l'ai pas encore reçu comme ça, il était bien ma chaîne. Et c'est pas du chantage. Alors, je tiens à vous dire, il me faudra 20 abonnés pour commencer. Entre 20 et 30. Au début, je le sens, mais je me suis dit, il faudra attendre 2 ans, ça sert à rien. Tout simplement, non, pas pour me dire, oh, je vais faire la série, mais je vais me faire des abonnés, alors je vais faire du chantage, seulement, non. C'est parce que si je n'ai que. Pour l'instant, j'ai qu'un bonnet. Un abonné, pardon, à la fin de l'année, je pense que j'en aurai sur 5 et 10. 5 et 10, c'est vraiment limité. Je veux dire, au début, les gens ne trouveront pas beaucoup la série. Et moi, j'ai envie que la seconde la trouve beaucoup. Donc, déjà, environ 30 abonnés, on trouvera plus facilement quand on a 5 et 10 abonnés. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Plus j'aurai d'abonnés, si j'en ai 100, c'est parfait. Si j'en ai 1000, c'est. Enfin, voilà, je sais que j'en aurai jamais 1000. Peut-être après, et voilà. Donc, ensuite, cela s'est dit. Donc, j'ai dit que voilà. La prochaine vidéo, je ferai une vidéo pour vous présenter vite fait la map. Et elle ne sera mise en téléchargement qu'à la fin de la série. Je pense que maximum, je dis bien. Si admettons que ce soir j'ai 30 abonnés, je dirais maximum un mois pour être sûr que j'arrive à trouver les candidats qui voudraient venir sur la map, le serveur, le temps de créer le serveur, de mettre la map sur le serveur, de finir les quelques détails de la map, que mes 3 autres amis viennent, parce que je voulais aussi dire Harry Potter avec 4 personnes, changer de skin constamment, à force c'est chiant. Parce que moi ça me gênerait pas, mais je pense pas que les 3 autres ça les aimerait. Déjà que Calyx, pour lui c'est très réservé, parce qu'en fait lui il peut après 19h il peut plus parler sur Skype, je sais plus pourquoi, des raisons personnelles. Donc il n'y a que le mercredi, mais moi j'ai foot, le samedi j'ai match, et je n'ai que le dimanche de libre. Donc ce sera le mercredi après-midi et le dimanche les trucs. Donc ce sera des petites vidéos de 15 minutes. Alors 15 minutes c'est parce que c'est trop long, parce qu'en fait on va un peu, enfin pas répéter, on va se faire les scènes, on va faire 15 minutes ou 5 minutes, c'est des éléments clés, et à la fin. Par exemple, quand le 1 sera fini, je ferai un montage de tout. Il y aura la vidéo d'environ 1 h 30. Après, je passerai au 2, ou alors je ferai tout en petite série et je ferai les grands montages à la fin. Parce qu'au début, on voulait faire ça, mais je me suis dit, moi, je veux une vidéo d'1 h 30, je la regarde pas. Même si c'est Harry Potter, je ne regarde pas. Donc, ensuite, mon slogan. Donc, mon logo. Harry Potter. Donc, je l'ai mis sur Paint. Hein. C'est pas important. De toute façon, parce que je voulais la mettre sur Camtasia, mais j'avais un peu la flemme. Donc, alors je sais pas si quand la vidéo sortira, il sera sur Camtasia ou on verra encore l'image sur Paint. On verra. Donc là, vous voyez, Harry Potter, j'ai évité Poudlard, Harry Potter, pour qu'on comprenne bien, je voulais mettre mon skin, je n'ai pas eu le temps. Et j'ai mis en recherche, hein, voilà, c'était une petite touche pour gagner l'espace. Et le Harry Potter qui monte un peu comme si on montait du avec sa baguette. Je pense que certains connaissent, c'est le slogan américain. C'est quand ils cherchaient des hommes pour aller à la guerre. Et ben, il y avait rappelé que le chapeau de certaines couleurs et tout. Il montrait du doigt, il disait I want it, un truc comme ça. Ok, mon accent anglais est pourrave, mais je parle parfaitement, enfin pratiquement parfaitement, et je comprends parfaitement anglais. Mais en tout cas, en lecture, je comprends parfaitement. Je préfère avoir un mauvais accent, mais tout comprendre, qu'avoir un très bon accent. Hein. Donc, en tout cas, en finissant ça, donc j'espère, je vous offre un petit détail vite fait sur. Sur l'image. En tout cas, j'espère que cela vous aura motivé. Et surtout, n'hésitez pas, même si vous aimez pas trop Harry Potter, vous avez peur du tournage, vous inquiétez pas, on fera pas que tourner. Bien entendu, on fera pas que. Enfin, pas répéter, mais je veux dire, je veux pas dire, tiens, on fait ça, hop, la scène, je tourne. Non, on va un peu vite fait montrer ce qu'on doit faire. Ça va, déjà, on est deux. Donc, ceux qui jouent en version craquée, on est d'excellents Harry Potter. Calyx, il est pas trop mal. Et l'autre, Yoda Kona. C'est pas grave, on peut le montrer de toute façon. Donc, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Envoyez vos demandes sur Skype dès que je vous l'aurai donné, ou alors envoyez-moi une demande sur YouTube tout simplement. Je n'ai pas encore de page Facebook comme je n'ai que très peu d'abonnés. Et en tout cas, je vous dis, j'espère que c'est.
Cette annonce vous aura plu, que vous voudrez bien y participer, ça nous ferait vachement plaisir. Plus on sera, mieux ce sera. Si on est 15, c'est super. En tout cas, je prends minimum 2-3 personnes. Après, je verrai, je peux prendre que 5 personnes. Je verrai. Donc, en tout cas, j'espère que cette annonce vous aura touché, enfin marqué, je veux dire. Vous vous sentirez concerné, vous m'enverrez votre demande. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Et abonnez-vous!